Aujourd'hui, Bruna, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, il y a la princesse, son Altesse Sérénissime, la princesse Camilla de Bourbon. Vous avez passé la soirée à travailler? Ben oui, c'est quelque chose qu'il faut faire parce que c'est vrai qu'il faut penser aux personnes qui sont vraiment les plus démunies, qui ont plus nécessité, puisqu'on vit dans un monde qui est quand même devenu un petit peu trop individualiste. Et c'est pour ça qu'il faut partager, il faut être là. Vous faites beaucoup d'actions caritatives? Mais j'essaye en tout cas, et puis il y a un moment pour tout. Ça, c'est un moment qu'il faut partager avec les autres. Il y a des moments où, bien sûr, des jolis galas, et puis des moments comme celui-là, où on est affronté à des personnes qui ont vraiment besoin d'aide, besoin de soutien, besoin d'avoir quelque chose à manger. Et je pense que c'est très très important de trouver du temps pour faire ce geste et pour être présent. Les Anges Gardiens, c'est une association très 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 sérieuse qui dure depuis des années, plus que 10 ans. Donc c'est très beau parce que ça dure aussi dans le temps et ça démontre que ça fait du sérieux sur le terrain. Il faut être sur le terrain avec plaisir. Princesse de cœur. Voilà un nouveau titre de noblesse qui va comme un gant à Camilla de Bourbon et de Sicile. Altesse royale, duchesse de Castro, elle est venue tendre la main, apporter nourriture, aide et réconfort aux sans-abri dans les rues de Nice, aux côtés des anges gardiens. Dans la froide nuit hivernale, comme tous les lundis, les anges gardiens de Monaco font leur maraude pour apporter leur soutien aux plus démunis. Depuis plus de 10 ans, leur itinéraire est bien rodé. Et les nécessiteux, femmes, enfants, familles, SDF, malheureuses à la dérive, les attendent par centaines au point de rendez-vous. L'église du port, puis la promenade des Anglais, et enfin la gare de Nice. Repas chauds, produits de première nécessité, chaleur humaine, sont distribués à des centaines de sans-abri et de personnes démunies. Je montre faire des travaux chez moi, mais on ne veut même pas mettre un parquet. Dans pas longtemps, le parquet est en train de se décoller. J'ai des fuites d'eau, j'ai des fuites de mon ballon. Je perds de chaud en fait, parce que je suis payé un ballon pour rien. C'est quoi votre prénom? C'est quoi votre prénom? Kevin. Alors, écoutez-moi. Il faut aller dans une assistante sociale de Nice. Expliquez votre situation. Dites une chose. Les anges gardiens voudraient m'aider. Explique à l'assistante sociale. Et l'assistante sociale, ils savent qui nous sommes. Ils se mettent en contact avec nous. OK? OK. Promis? Promis. Qu'est-ce que j'ai dit? Assistante sociale. Et qui va t'aider? Quelle association? Les anges gardiens de Monaco. OK. En cette fin décembre, les rues de la ville sont illuminées. Chacun s'active et se prépare aux fêtes de fin d'année. Mais pour les sans-abri, il n'y a pas de répit. Chaque jour est une lutte pour survivre. L'abbé Pierre avait coutume de dire « Être un sans-abri, c'est un job à plein temps ». Alors, pour réconforter cette population démunie, le dévouement de l'équipe de bénévoles des anges gardiens de Monaco, semaine après semaine, ne faiblit jamais. Il distribue des centaines de repas chauds, des couvertures et des sacs de couchage, réconfort et sourire. Pour la princesse Camilla de Bourbon de Sicile, dame de l'ordre constantinien de Saint-Georges, dont le mari, le prince Charles, est le grand maître,
S'occuper d'œuvres humanitaires et philanthropiques, c'est du quotidien. UNICEF, Croix-Rouge, AMAD, Fondation Princesse Charlène, lutte contre l'illettrisme, elle est très impliquée dans l'action caritative. Alors pour elle, venir donner, le temps d'une maraude avec les anges gardiens de Monaco, un peu d'espoir aux exclus, aux plus marginalisés, c'était une sorte d'évidence. Comme c'est Noël, voilà, pour amener un petit peu, voilà, enfants, un peu de bonheur pour les enfants. En même temps, c'est quelque chose de ludique, c'est éducatif. Oui. Alors voilà, j'espère que ça va porter un petit peu de chaud au cœur. C'est sûr que c'est cette soirée. Oui, surtout pendant les fêtes. Voilà, tout à fait. Thank you. See you Monte Carlo. See you Monte Carlo. Thank you. Depuis plus de 10 ans, l'association des anges gardiens de Monaco est uniquement financée par de généreux donateurs. Au-delà de l'urgence des nuits de maraude, elle axe son action sur une relation d'aide au logement. Elle établit des liens avec d'autres structures pouvant prendre le relais pour un suivi social. Il est certain que la présence de la princesse Camilla de Bourbon permettra de mettre en lumière cette association et l'aidera à développer sa notoriété. La princesse le fait de bon cœur. Son Altesse royale, la princesse Camilla de Bourbon des Deux Siciles, duchesse de Castro, a reçu le 3 mars 2017 le prix des femmes des Nations Unies pour la paix, en raison de son intense activité sociale et de charité pour les enfants défavorisés. Ça va être la fin de la tournée. Est-ce que vous pensiez qu'il y aurait autant de gens que ça? Ben oui, je m'attendais à en ça. En France et en France et de partout, c'est vrai. C'est vraiment, c'est la porte à côté, c'est vrai, mais c'est une réalité. Il faut vraiment être présent pour voir ça, mais il faut surtout se donner du temps. Et grâce à Dieu qu'il y a toutes ces associations, Dieu, ouais. Parce que sinon, c'est vrai que ces personnes seraient encore plus en difficulté. Ils le sont déjà. Ça touche vraiment le cœur. C'est triste, mais il ne faut pas être triste. Il faut tenir, il faut avoir l'énergie. À quoi? C'est très bien fait, il y en a 400. 400. Jambon et fromage. Ça prend beaucoup de temps, plusieurs heures, 4 à 5 heures, 4 à 5 personnes au moins aussi. Donc c'est du travail. C'est la première fois que vous participez comme ça pour aider une association? Oui, c'est la première fois. Mais moi j'aimerais le faire plus souvent parce que c'est vraiment bien d'aider les gens qui ne sont pas chanceux comme nous. Voir ces gens qui n'avaient pas de maison. Et que voilà, nous on est contents de faire ça pour les gens qui sont plutôt. En fait, c'est la première fois avec cette association aussi. Mais sinon, oui, en Italie ou parfois même à Monaco ou en France. Et on fait beaucoup de bienfaisance avec nos parents, on les aide. On est en train d'apprendre, comme ça un jour on pourra le faire, nous deux aussi. Ces expériences-là, vous les partagez après avec vos copains et vos copines à l'école. Est-ce que vous leur en parlez? Oui, bien sûr, parce que c'est très important qu'eux aussi le sachent. Comme ça aussi, s'ils ont du temps, ils peuvent venir aider. Et donc après, ils vont le dire à des amis. Et puis, il y a toujours plus de gens qui vont aider, les gens qui ont besoin d'aide. Et alors, c'est très bien de leur dire. Et comme ça, il y en a quelques-uns qui vont joindre cette association. Vous êtes en train de le couper à moitié. Et après, avec les bouts, on les coupe à trois bouts.
Complimenti, eh? Una grande ammirazione per una donna forte, fa la differenza. Non sono io, è lassù, lassù, è lassù, io sono nulla. Grazie. Solo lassù che mi danno la forza e grazie a tutti voi. Eh sì, una bella equipe. Sì. L'Église protestante unie de France apporte une aide alimentaire, un repas chaud servi une fois par semaine. Le fourneau économique offre un repas chaud pour 1 euro ou gratuit. L'association MIR propose des places d'hébergement aux personnes en situation de grande précarité et elle organise une aide alimentaire pour les plus démunis avec l'épicerie de Marie, une épicerie sociale et solidaire. Toute l'année, les bénévoles de l'association monégasque PHARE, Poids, Action, Rayonnement, de la Société de Saint-Vincent-de-Paul de Monaco, viennent régulièrement en renfort, participant à la collecte de denrées, à la préparation des paniers, et vont à la rencontre des personnes de la rue lors de la distribution. Tous ces réseaux d'aide sont indispensables et se complètent.